m'appelle Marie Climasson, je suis entraîneur national de tir. Donc je suis polyvalente, je fais le tir à l'arc, le tir au pistolet, à la balette, à la carabine. Le fait d'avoir une fédération de tir au Cameroun, ça permet à ce que l'homme, parce que nous formons tout l'homme, qui doit être d'abord très posé, très organisé, qui ait la maîtrise de soi. Donc ça c'est vraiment tandis que l'idée puis on doit d'abord. En tant que compétition, il y a les positions appropriées. Parce que quand nous formons des gens, c'est pour qu'ils soient bien posés dans leur tête, qu'ils soient bien mis et bien. C'est-à-dire que dans la vie, il doit être des gens qui sont posés, qui sont bien organisés. Parce qu'avec l'arbalète, d'abord, elle a d'abord son corps, elle a une formation comme une carabine. Après, elle a les bras de l'arc. Donc, elle utilise des flèches aussi. Par contre, elle a les petits cibles, comme sur un blason. Ils sont de trois. C'est trois petits cibles. Comme sur un blason qui est comme ceci. Mais ce n'est pas grand comme pour le tir à l'arc. Et là, il faut tirer une flèche par cible. Là, on a deux types d'arbalètes. On a l'arbalète fil, l'arbalète match. Là, nous sommes au niveau de l'arbalète. Donc, trois types d'arbalètes. Il y a l'arbalète fille, comme sur ce schéma-là. Alors, il va porter cette arbalète. Il va le bourrer. Voilà. Il le porte. C'est composé de tout ce qu'on a. Ça, un bas. C'est là. Il met tout ça, on compose tout ça avec tout son viseur. Là aussi ces flèches. Ils sont sur ces flèches ici. Là il a ces petits cibles. Les petits cibles, ils sont comme ça. Le but c'est toujours de chercher le point 10. Là, c'est un balai fil va jusqu'à 70 mètres, 90 mètres. Là il se tire à l'extérieur. Pas un pas de fil. Si on a un balai de match. Vous voyez, là il se tire à l'intérieur, entre 15 et 18 mètres. On amène notre arbalète, on le fait comme ceci, on le pose là, on va donc tirer ça, on met ici, on va introduire la flèche à l'intérieur, et on va porter ton arbalète pour pouvoir tirer. C'est toujours, nous avons toujours ici, l'arbalète fuit toujours, elle est carabine. Avec ses flèches, lui il a deux flèches. Le point de séquence prend le bon point de séquence. Alors qu'à l'arc, on a deux types d'arc, l'arc classique et l'arc à poulie. Deux arcs. L'arc classique et l'arc à poulie. Ça c'est un arc d'initiation de compétition nationale. Elle tire entre 15 et 18 mètres. Ici, nous avons un arc de compétition, le type olympique. Est-il 70 mètres? Là, je vais vous faire une démonstration des parties. Voilà. Là, c'est déjà le bras de l'arc. Nous avons la corde. Nous avons un stabilisateur qui nous permet de voir la direction du vent. Nous avons notre viseur. Nous avons un bouton de pression qui nous permet de régler notre flèche à la pose là pour qu'elle ne bouge plus. Et ça, de lâcher, ça prend sa position pour pouvoir regarder ici sur le viseur qui est là. 70 mètres vers le blason qui est là pour pouvoir tirer au point jour qui est le 10. Et là, ça varie. Le poids peut aller entre 5 kg, quand c'est comme ça, 5 kg. Mais lorsqu'on va porter à 18 mètres, à 10 mètres, il part déjà avec les 18 kg. Là, nous avons les bras supérieurs et inférieurs.
si nous avons le corps de l'âme. Si nous avons un repos de flèche, on va porter nos flèches ici. Si nous avons un corps. Là où on doit mettre notre flèche, il y a deux points qu'on appelle le point d'approche. Donc la flèche doit passer au milieu de ces deux points-là. Si nous avons ça, on a les petits bouts que ça va couper. Là où on enfile la corde sur la lame. Et ici, la position où on met notre viseur. Vous voyez ce petit trou là, c'est qu'on a quand on pêche, il y a un bouton là pour pouvoir mettre et régler notre flèche, que ne bouge pas trop. C'est la direction du vent. Il est divisé son corps en deux parties, 50%, 50%. Ses épaules sont passées, sont basses, et il est tout droit. Il y a de profil par rapport à sa cible. Une allonge complète et il vise. Fin du tir, il va rentrer positionner son arc là. On va aller au résultat. Et quand nous allons au résultat, la chaise se met à 2 mètres du blason. La flèche est posée, il a fait 2 10. S'il est d'accord du résultat, il va avancer, il va venir retirer sa flèche. Et il va mettre sa main comme ça. Il va suivre sa flèche pour la recharger. Il va mettre dans son parcours. C'est l'un des profils. C'est que la flèche que vous écoutez soit lui-même. La verra. Numéro de séquence. Je suis après la compétition. Si nous avons une carabine là, avec, ça c'est un bon français. Là nous avons les calibres 12. Différents calibres 12. On peut faire la chasse. On fait le tir au plateau. Quand on fait le tir au plateau, là c'est le poulet, l'âme du poulet. Vous voyez, il y a une machine qui va lancer les cibles. Il faut que lorsque la cible se pointe, il faut que le tireur ait déjà visé. Là, c'est avec les munitions. Avec les munitions, pour la cible. Ils sont pour la cible. Donc, tu la laisses. Ici nous avons les carabines 4-5, ce sont les marques aussi. Ça c'est un don poète. Avec son pistolet aussi. Là il vous montre la tour d'un carabinier. Composé d'une veste, d'un pantalon, des chaussures basses. Il a le gant de tir. Il a la ceinture pour le pistolet. C'est une ceinture pour le pistolet. Il faut faire tout ce recyclement là. Tout ça, il faut le cache-cœur pour pouvoir fermer. Parce que depuis un certain temps, on ne croit qu'on le fait avec ça. Il y a des caches pour le bandeau. Pour ouvrir un œil. Je vais toucher le mieux. Tu vas sentir les yeux ouverts, les deux yeux ouverts. Ici, nous avons ici la carabine de 10 mètres. Dans le point se compte de 1 à 10. Donc, on utilise de tirer le plus petit point qui est à 10 là. Là c'est à 10 mètres la carabine. Nous avons le pistolet toujours à 10 mètres. Le même procédé de montage au point. Vous allez me demander que pourquoi la carabine est petite et le pistolet est grand. Parce qu'en carabine, la visée elle est fermée. Le carabine va porter sa carabine comme ceci.
Il va faire cela, il va aller comme ça. La visée est ici sur le hilton. On dit qu'elle est fermée. Faisons pour la tête. La cible est petite. Par contre, depuis ce rire, il n'a pas le hilton. Il a tout le point de main. Il va aller se positionner là. Mmh. Vous voyez, il doit regarder sur son crâne de nuit et pouvoir tirer sur sa cible. Ici, nous avons un autre type de tir. On appelle ça les 22 longs rifles. Là, c'est un tir de trois positions, couché, à genoux et debout. Et là, ça va aussi avec des munitions. Ça peut tirer jusqu'à 2500 mètres. Il y a aussi ces pistolets qui sont aussi différents, 9 mm, qui vont jusqu'à 300 mètres. Merci pour votre compréhension.